Ici, le sport universitaire est une chose sérieuse. Et dans cette fac, on a vu les choses en grand. Rien n'est trop beau pour le prestige des Gators. Un budget supérieur à 96 millions de dollars. Des athlètes surentraînés qui s'illustrent au plus haut niveau. Volley, golf, gym, basket ou football américain. Les étudiants de Gainesville collectionnent les récompenses. En 40 ans, ils ont amassé une centaine de médailles olympiques. L'Université de Florida, c'est une véritable usine à champions. Des athlètes comme le français Joachim Noah ont fait leur début ici. Depuis, il est devenu l'une des stars de la NBA. Sur le campus, certains athlètes sont vénérés tels des demi-dieux, comme Tim Tebow, le quarterback de l'équipe de football. À peine sorti de la fac, ce monstre de 111 kilos a signé avec l'équipe de Denver un contrat en or, 11 millions de dollars annuels. Dans la guerre au prestige que se jouent les facs américaines, tous les coups sont permis. Et vous allez le voir, pour gagner les championnats, les facs américaines sont prêtes à mettre le paquet pour attirer les meilleurs athlètes. Leurs champions, elles vont les chercher très loin, jusque chez nous en France. Sur le terrain, Alexandre Lacroix, le joueur phare de l'équipe de tennis. L'année dernière, il a terminé dans le top 10 des facs américaines. Alors pour garder cette pépite, l'Université de Florida est aux petits soins. Pour entrer dans son école de commerce, des étudiants de sa classe ont payé plusieurs milliers de dollars. Lui n'a pas déboursé un centime. C'est la fac qui a réglé la note. Et ce n'est pas son seul privilège. À la fin du cours, Alexandre va porter cette petite lettre au prof. Un sésame qui l'autorise à sécher les examens pendant ses tournois. Et vous allez voir qu'avec les sportifs, les enseignants sont plutôt compréhensifs. D'accord. La semaine avant cette compétition, on trouvera un arrangement. Je te trouverai quelqu'un pour te faire repasser spécialement l'examen dans une salle à part. Donc reparle-moi de tout ça. Au moment de l'examen? Ça, c'est pour vous. Ah, très bien. Professeur, avec les étudiants sportifs, vous avez l'air assez arrangeant. Oh oui, avec eux, je suis très, très arrangeant. Du côté des profs donc, pas d'inquiétude. Alex peut se concentrer sur son jeu. Et pour les cours qu'il a loupés, là aussi, l'Université de Floride a tout prévu. Même en tournoi loin de Gainesville, le sportif peut réviser grâce à son ordinateur. Car les cours sont filmés, entièrement dactylographiés avec des animations disponibles à tout moment par Internet. En fait, cette classe, si j'ai envie, je peux y aller. Voilà, si j'ai le temps, je peux y aller. Et voilà, il n'y aura pas de souci. Même le prof le recommande. Mais aussi, je peux le suivre par Internet. Sans ça, ce serait compliqué, en fait. Sans ça, ça serait impossible, quoi. Et c'est vrai qu'avec nos emplois du temps, parfois, c'est pas vraiment facile. Donc, quand je suis dans la ville, etc., ici à l'université, bah, je vais en classe. Mais si je suis pas là, etc., bah, je regarde sur Internet et je suis mon cours sur Internet. Et si l'université investit autant sur les sportifs, ce n'est pas tout à fait désintéressé. Aux États-Unis, les jeunes comme Alexandre sont l'image de marque de leur fac. Pour l'équipe des Gators, ils représentent donc un investissement. Le sport aux États-Unis, c'est très important. Et avoir un très bon programme athlétique va avoir une très bonne image pour l'université dans tout le pays. Et va faire venir des étudiants, va faire venir des sponsors, etc. Et c'est vrai qu'on a la pression, il faut qu'on gagne, il faut qu'on finisse dans le top 10 américain des universités. C'est pour ça qu'on est là, quoi. Et comme Alexandre a fait une très bonne saison, l'université sait se montrer généreuse. Il suffit de jeter un œil à son beau duplex, à deux pas de la fac, un logement qui ne lui revient pas très cher. Certains sportifs payent le loyer, certains non. Moi ils me payent le loyer, ouais. Ils me donnent l'argent et je paye mon loyer avec. Quel honneur? Parce que je joue bien au tennis, donc ils ont augmenté ma bourse. Ça peut paraître incroyable, mais aux États-Unis, les bourses des sportifs dépendent de leurs résultats. Alors s'il veut continuer à vivre dans ce petit coin de paradis, Alexandre va devoir ramener des coupes à sa fac. Et pour l'instant, cette méthode réussit plutôt bien aux Gators. Cette semaine, Alexandre reprend tout juste les entraînements. Dans les vestiaires, il a le droit à un traitement particulier. Casier personnel à son nom, des raquettes flambant neuves, tout est fourni par la fac, même les chaussettes. Il nous passe tout de chaussures à chaussettes, à poignets, à shorts, t-shirts. On a ce qu'il faut, on a beaucoup d'affaires. Ton sponsor, c'est la fac? Voilà, exactement. Mon sponsor, c'est la fac et c'est mon seul sponsor. J'ai pas le droit d'avoir deux sponsors sous peine de pénalité, en fait. Alexandre n'est pas le seul Français à être sponsorisé par la fac. Sur 10 tennismen, ils sont 3 à avoir traversé l'Atlantique pour jouer à Gainesville. L'explication se trouve sur le terrain.
celui qui a convaincu Alexandre. C'est Jérémy, l'entraîneur adjoint, français lui aussi. Cet homme, c'est l'arme secrète de l'université. Toute l'année, il écume les tournois français pour dénicher de jeunes talents comme Alexandre. C'est un joueur qui a un super profil parce qu'il est venu, il était arrivé en 2008. Et donc j'avais été rencontré à Paris, on avait discuté, notre projet lui plaisait. Et c'est vrai qu'il a tout de suite adhéré. Il a vachement adhéré à ce que nous on voulait qu'il fasse. Il s'est mis dans une situation où il nous a écoutés, il a accepté nos conseils, il a accepté de changer pour progresser. L'année dernière, il a fait une super saison, il a joué numéro 1 en simple et numéro 1 en double pour l'université. Et il a fini dans les 10 premiers en simple et en double. Des joueurs comme Alex, qui vont avoir un diplôme dans leur poche, qui n'ont jamais trop joué le circuit, donc tout va être nouveau, tout va être à découvrir, peuvent aller très très loin. Et pour convaincre les jeunes de traverser l'Atlantique, voici comment ils procèdent. Dans son bureau, Jérémy a rangé son trésor, un classeur plein de jeunes joueurs français repérés dès le lycée. En ce moment, Jérémy se concentre sur ce dossier, un petit français très convoité dont il tait le nom. Comment je vais faire pour l'avoir ? Eh bien, j'ai fait la démarche d'aller en France pour rencontrer ses parents, pour leur faire une offre très intéressante financière. Ensuite, on espère, quand il va venir ici visiter la fac, que les infrastructures vont lui plaire, qu'il va se sentir bien avec moi, qu'il va se sentir bien avec Andy Jackson, avec le head coach. J'essaye aussi de faire marcher le fait que je sois français, qui aide bien sûr en lui expliquant ce que moi j'ai vécu. Moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi, j'ai fait ça. Je suis venu jouer aux États-Unis, donc avec mon expérience, avec l'expérience des joueurs qu'on a ici, on va essayer de bien lui expliquer comment ça va se passer et d'être bien avec lui, de bien le coucouner au départ, qu'il se sente confortable. Parce que c'est pas évident de tout quitter, de quitter sa famille, ses amis pour venir aux États-Unis. Et une fois aux États-Unis, Jérémy peut les emmener au plus haut niveau, comme ce jeune joueur avec Federer, sa fierté. Oui, il est passé par ici pendant 7 mois pour s'entraîner, pour connaître quelque chose d'autre. Et donc ça s'est très bien passé, d'ailleurs on est toujours super potes. Et il a effectivement très bien joué tout de suite, donc il est parti de la fac, s'est jeté sur le circuit. Et là il est dans les 100 premiers ou juste en dehors pour l'instant. Et l'espoir de la fac pour l'instant, c'est Alexandre. Grâce à ses services fracassants, il est entré dans le top 10 du championnat universitaire américain. L'année dernière, les sportifs comme lui ont rapporté à l'université plus de 100 millions de dollars.